Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Bien le bonjour, mais il est déjà 19h05. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir tout le monde. Donc que va-t-on voir? Eh bien, nous allons continuer dans la série des logiciels que j'utilise ou que j'utilisais ou que... Voilà, peu importe. Aujourd'hui, encore une fois, c'est pas un logiciel à proprement parler, c'est plutôt un utilitaire. Mais un petit utilitaire, qui ne fait qu'une chose, mais qui le fait bien, et qui sert énormément. Enfin, qui sert énormément à partir du moment où on a besoin de ces informations. Et de quelle information je parle? Je parle d'informations techniques concernant des fichiers audio et ou vidéo. Quel est-il cet utilitaire? On va d'abord... Voilà, je vais vous montrer l'installation sous Mint et sous Ubuntu. Pourquoi sous Mint et sur Ubuntu alors que Mint tire sa base Ubuntu? Mais c'est juste pour vous montrer que peu importe, ça fonctionne bien sur les deux. J'ai déjà eu le cas, je montre un logiciel ou un utilitaire qui tourne convenablement sous Mint et on me dit ouais, j'ai voulu installer sous Ubuntu, ça va pas. Et moi quand je le teste, ça va. Donc ici, je vais vous montrer que ça fonctionne sur les deux. Comme je l'ai dit, Mint tire sa base d'Ubuntu. Et surtout que quand ça ne va pas, souvent, je le précise souvent. Je dis attention, ça fonctionne bien sous Mint, mais sur Ubuntu, ou inversement. Ok? Donc, cet utilitaire, je n'ai pas encore donné son nom. Je vais lancer logiciel sous Mint. Et je vais taper media info. Et regardez, media-info-gui, media-info, media-info-flat-up. Là, c'est un entre guillemets, ça provient du dépôt. Flat-up, paquet universel, entre guillemets. Maintenant, si media-info est dans les dépôts, prenez-le dans les dépôts. Ok? Souvent, on prend un logiciel en provenance de dépôt flat-up. Quand le logiciel n'est pas dans les dépôts, mais là il y est, donc prenez-le dans les dépôts, poids réduit, démarrage, beaucoup plus rapide. Ok? Celui-ci. Vous pouvez prendre MediaInfo, mais alors vous gérez l'utilitaire via une instance terminale, donc en ligne de commande. C'est pas ce qui nous intéresse. On va prendre MediaInfo-GUI. Alors, on peut l'installer tout simplement, voilà, rester dans l'installation, ou, bonne vieille instance terminale, on fait un sudo apt install, voilà, media info tiret GUI. On s'authentifie, on valide par entrée ou enter. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? 0 mis à jour, 6 nouvellement installés, 0 enlevé et 5 mis à jour. Il est nécessaire de prendre 7230 kilooctets dans les archives, donc un peu plus de 7 mégas. Après cette opération, vous serez délesté de 27 mégas 4 au niveau du disque. Oui. C'est fait sur Ubuntu. Même chose, hein. On peut lancer donc logiciel Ubuntu. On fait une recherche. On va faire media info. Voilà, je me suis trompé. Media. Non, c'est bon. Le voilà. Même chose. Ici en français. Donc, oui, parce que la différence, c'est que ici, c'est pas traduit. Merde alors. Donc voilà, fournit des informations techniques et les tags à propos de vos fichiers vidéo et audio. Ne lui balancez pas un fichier image, hein, fonctionnera pas, c'est bien mis. Vidéo et audio. Media info fournit... Attendez, j'ai un petit souci, voilà. Fournit des informations techniques et les tags à propos de vos fichiers vidéo et audio. Quelles informations puis-je avoir avec Media info? Des informations générales. Donc général, c'est quoi? Titre, auteur, réalisateur, album, numéro de piste, date, durée. Des informations vidéo. Codec, forme, image, débit. Des informations audio. Codec, fréquence, nombre de canaux, langue, débit. Des informations texte. Codec, langue des sous-titres. Des informations concernant les chapitres. Nombre de chapitres, liste de chapitres. Quel format, quel conteneur média info sait-il lire? Tout ce qui est conteneur MP4, QuickTime, MKV, AVI, MPEG, y compris les DVD non protégés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les tags, ID3V1, ID3V2, Vorbis, et ainsi de suite. Vidéo, donc MPEG 1, 2,
H.263, MP4, donc DivX, XVID, H.264 AVC, etc., etc. Audio, MPEG Audio, MP3 compris, AC3, DTS, AAC, Dolby E, AES3, FLAC. Et tout ce qui concerne les sous-titres. Yeah, c'est génial! Donc, même chose, hein, soit je clique sur installer, ou alors la commande que j'utilisais auparavant sous Mint, hein, sudo apt-install media-info-gui, pour utiliser l'utilitaire en GUI, donc avec sa petite interface graphique qui va bien. Sinon, si vous installez juste media-info, vous aurez, hein, l'utilitaire media-info, mais à utiliser uniquement via l'instance terminale. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Voilà, c'est fait. On va bien vérifier qu'il est présent dans les deux distributions. ME, on peut voir Média Info. Ouais! Et de l'autre côté, on va voir ME, Yeah! Yeah! Média Info. Super! Oui, super. Voilà, regardez, il n'est pas traduit. N'est pas traduit, ben, sous Mint non plus. Or, par exemple, sous Manjaro, il est traduit en français. Et oui, vous voyez, il y a des petits. Voilà. Bon, maintenant, il faut le tester. Eh bien, on va le tester. Que fait-on? Exemple, je lance mon gestionnaire de fichiers qu'on va mettre là. On a dit audio et vidéo. Vidéo ou audio. On commence par vidéo. Ah ouais, non, j'ai rien ici. Hop, ça se trouve ici. Voilà, l'intro Blabla Linux en HD du MP4. Clic droit. Ouvrir avec Média Info. Si vous ne l'avez pas, vous faites ouvrir avec une autre application et vous allez chercher vous-même Média Info. Voilà. Et on a toutes les informations dont on a besoin. Je peux voir les infos générales. On a affaire à un conteneur MP4 qui contient comme codec vidéo, donc AVC, donc H.264. Et au niveau de l'audio, c'est du AAC. On peut voir la résolution de 1920 par 1080. On peut voir le ratio d'image, hein, du 16:9. On peut voir le KB seconde, 1104 kilobits seconde. On peut voir le nombre d'images, 23 976. Et au niveau de l'audio, ben voilà, on a aussi pas mal d'infos audio, hein. 121 kilobits seconde, 44,1 kHz, deux channels, du stéréo. Voilà. On peut se rendre sur le site web pour avoir des informations supplémentaires concernant le conteneur ou le codec, quand ça fonctionne. Voilà. Quand ça fonctionne, ici, il nous dirige vers la page support Apple, support.apple.com. Génial. QuickTime. Ouais. D'accord. Ça, j'utilise jamais, moi, perso. Voilà, bah ici, ça va pas. Génial. Developers.videolan.org. Ça fonctionne pas. On est redirigé vers le H2 64. Voilà. Sinon, file, ben, c'est pour ouvrir manuellement. Donc, par exemple, ben, je fais ouvrir un fichier. Je vais chercher mon fichier. Je peux faire du glisser-déposer. Ah oui. Si je fais ça, voilà, c'est le même. Ok. Exemple, regardez. Media. Je vais le chercher. Donc, il s'ouvre vide. Voilà. Comme ça. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Donc là, c'était avec un fichier vidéo qui contient de l'audio. Maintenant, je peux faire la même chose, par exemple. On va faire ceci, on va faire musique. Voilà, on va prendre une musique, M4A. Je glisse, je dépose, et voilà. C'est nickel, hein? Alors moi, ça me sert, par exemple. Mais voilà, j'effectue un rendu pour publier, donc plus sur YouTube maintenant, mais sur Facebook. Eh bien, après avoir effectué mon rendu, je contrôle.
Je contrôle si, voilà, c'est bien le bon conteneur, le bon codec vidéo, le bon codec audio, si j'ai bien mes 24 images secondes, si la résolution est bonne, voilà. Ou par exemple, certaines personnes parfois me demandent de leur créer un, je sais pas moi, un CD audio, mais je sais que par exemple donc la platine de salon lit bien donc le support CD, mais par exemple ce qu'il y a dessus, ben, il faut que ce soit du MP3 encodé comme ça. Mais voilà, ce petit utilitaire me permet de contrôler. Voilà, et on peut voir que sur Ubuntu, ben, il n'y a aucun souci non plus. Média. Voilà. Exemple, je vais faire aller le fameux glisser-déposer. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça. Je sais pas moi. Allez, vidéo. Voilà. Hop. Et voilà. J'ai mes infos. Même chose avec la musique. Musique. Clic gauche maintenu. On déplace. On lâche. Et voilà. Super, non? Yeah. Allez, sur ce, je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.